Bonjour tout à tous, c'est Mystical de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super. Les copains, je suis avec mon frérot de toujours, Bird. Il se fait très rare, donc quand je l'ai sous la main, j'en profite, c'est clairement un des meilleurs joueurs français, les gars, tout mode confondu, le mec a un profil exceptionnel, il monte master en ligue solo, enfin, tout ce que tu veux. Le mec est chaud, on a fait quelques games, je resitue un petit peu le sujet de la vidéo. Et pour l'instant, tout se passe plutôt pas mal. Voilà, on a pris quelques trophées. J'en ai pris sur Coreback. J'avais pas mal des rushs. On en a repris. Et l'objectif du jour, c'est de monter la Ems. 1000 trophées. J'espère que ça va bien se passer. On a 898 trophées. La map s'y prête clairement. Famine ou Festin. Map plutôt intéressante. Lui, bien sûr, sur Buzz, il va nous servir de vision avec son gadget. Et j'ai envie de vous dire, croisez les doigts, les gars, que ça puisse le faire. Il serait temps de monter plein d'autres Brawler 1000 en plus du buzz. Le code guide dans la boutique, vraiment n'hésitez pas. La famille, ça régale et bien évidemment les pouces bleus les gars. En dessous l'écran, vous avez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à l'activer. Ça fait plaisir et moi je me concentre. Promis les gars, je me concentre, 10 sur 10, ok. C'est une vidéo, il n'y a pas de cut les gars, c'est la vraie vie. Vous voyez la vraie vie, il y a un tic, c'est éclaté tic sur cette map. Moi je vais prendre les caisses derrière. Alors habituellement je vais le soutenir au mid, sauf que là quand il y a deux caisses... il faut que je les prenne, il faut que je les prenne, j'espère juste qu'il va pas se faire soulever. Waouh, waouh, waouh. Ouais, non, c'est un des pires starts, hein. Enfin, c'est un des pires starts. Le fait qu'il soit fait soulever, c'est clairement pas la bonne nouvelle. Donc là, maintenant, c'est une game délicate, parce que... S'il prend le mid, forcément, on a une vision sur la game qui est tellement... Tellement agréable, on a qu'à victimiser les teams les unes après les autres. Là, directement... C'est pas pareil du tout, là. Attends, on va pas commencer par un moins, alors que... Ok, là, je leur ai mis tellement cher, les gars, franchement. Oh là 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 là, le retournement de situation d'une vie, ok, ok. Donc là, 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 eux, ils ont envie de mourir. Eux, clairement, ils ont envie de mourir, on va essayer de les aider. Ok, j'ai fait un petit peu le fou, j'ai fait un petit peu le fou. Bon, on a fait le pire start, mais derrière, on s'est bien bien repris. Il y a un beau, ouais, beau buzz. Ouais, ok, bon, c'est free, le beau, il joue sa vie, mais à mon avis, il a mis des mines ou pas, j'ai même pas fait gaffe, les copains. Oh, je sais pas combien de kills j'ai fait dans cette partie, les gars, mais à mon avis, c'était ma game. L'entrée en matière est dingue. En général, ce que j'appelle la game de chauffe, là, pour le coup, elle a vraiment été en notre faveur. Ça fait plaisir. Je pense vraiment qu'on peut le monter... Qu'on peut le monter en 30, il manque 95 trophées. Honnêtement, on est vraiment bien parti. Croyez-moi que Bird, je sais qu'il reste jamais longtemps. Quand il se colle, lui, il joue jamais plus d'une heure, mais là, je vais le faire rester, le mec. Et croyez-moi, on va en profiter d'avoir mon petit birdie de dispo, les gars. J'espère en tout cas que vous vous montez les rentrantes aussi de votre côté. Hein. Profitez-en, il y en a certains, c'est vraiment facile. Hein. Le buzz, les gars. Ah ouais, le buzz, il est. C'est cette saison ou jamais. Hein. Profitez-en, c'est ce genre de brawler-là. Ça restera pas aussi fort aussi longtemps, donc vraiment n'hésitez pas. Et il y a eu des retours mitigés sur la vidéo que j'ai fait où j'ai team en solo, là, où j'ai tourné un petit peu dans le mode solo survivant, le mode mystère exactement. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Heureusement que ça vous plaît pas hein, d'ailleurs. Enfin, il y en a pas, y a certains qui m'ont dit que j'ai bien fait. D'autres qui m'ont dit c'est un scandale de devoir tourner et tout. Je suis mitigé. J'avoue que je trouve que c'est affreux, donc je vous en veux pas d'avoir critiqué. Je pense pas qu'on le refera d'ailleurs, mais bon, c'est peut-être le seul moyen de monter en solo en tout cas. On l'a toujours dit, c'est une vérité. Ensemble, voilà, donc on verra bien si on en refait ou pas. Alors, ouais, le Max, c'est pas terrible. Max, c'est quand même pas terrible, ça reste assez fort comme brawler, j'ai pas tellement envie de le fight. Moi, c'est vrai que les compos qui m'arrangent, c'est les Jackie, la Billy, là, tout à l'heure, la compo du mid qui était un peu AFK. Ça, clairement, c'est vraiment le genre de compo, les gars, on a un avantage de taré dessus. Alors, la Bird, il va mettre un ulti. Ok, là, ils ont pris cher, et malheureusement, j'ai pas réussi à le repousser. Alors, faut vraiment que Bird, là, pour le coup, il me fasse respawn, il est en train de charger son ulti, c'est très bien joué de sa part. Par contre, attention mon frérot, attention à un éventuel ulti de Shelly. Alors vous avez vu quand la Shelly elle s'est approchée de moi, malheureusement elle n'était pas assez bête pour se rapprocher beaucoup, elle se serait bien rapprochée. J'aurais pu la repousser et on serait pas mort hein, simplement. Alors là je vais même pas cramer un gadget, on va juste cramer comme ça, voilà, tac. Ok. La Shelly on peut la voir les gars, franchement... On peut la voir, on peut lui mettre la presse en tout cas. Je pense qu'il doit lui rester encore un gadget pour le tirer de loin. Là, elle est dans la sauce. Ok, elle est dans la sauce, là. Là, elle est dans la sauce. Ça fait respawn son frérot, mais clairement... Ok, on l'a repoussé. Vous voyez un petit peu, là, le périmètre, c'est pas le même. Là, voilà, ça approche bien. Oh, par contre, là, ça, les copains, c'est une bonne compo. Au mid, là...
Ah là là, la game de... Là, c'est même pas la game de trop, c'est la game qui gâche, quoi. Comment on prend pas l'avantage sur la Shelly? Je pense que c'est moi qui fais l'erreur au début de mourir. Et malheureusement, ça nous fout dans la sauce. Ils étaient sous pression en bas à gauche, on a voulu aller les finir. Et derrière, on s'est fait finir, nous. Un peu dommage. Et comme quoi, vous avez vu, la team qui était au mid, qui nous est venue dessus, elle avait qu'une caisse, les gars. Comme quoi, le contrôle du mid, ça vaut, mais... Ça vaut des caisses et des caisses, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un avantage de fou parce que vous allez choisir les teams un petit peu comme nous là. On était low life, on n'avait pas beaucoup de points de santé. Les mecs sont venus nous terminer et c'est vraiment tellement, enfin, c'est tellement plus simple de choisir, de bien choisir ses adversaires, ses ennemis quand on fait comme ça. Donc, alors faut qu'il nous réussisse un mid de temps en temps, le frérot. C'est son rôle par contre. Hein. S'il en prend pas un seul, forcément qu'on va faire une vidéo pourrie parce que c'est le buzz. Oula, comme on jouait la Jackie à l'époque, hein, vous connaissez le rôle de ces brawlers là, il faut qu'ils réussissent un contrôle du mid de temps en temps. Alors moi je viens de faire un kill malheureusement là, derrière je peux pas récupérer parce que j'ai à peu près tout le monde sur le dos. Ouais, ça va être compliqué. Birdie il a réussi le mid là. Faut qu'il vienne m'aider vraiment le frérot. Ok, bien joué à lui. Alors là il a carry d'une force, j'ai même pas critiqué, j'ai commencé à dire que s'il réussissait pas le mid, je laissais entendre que ça pouvait être sa faute si la vidéo était nulle. Le mec derrière, comme s'il entendait, il m'a fait un contrôle du mid exceptionnel, 9 caisses. Alors là, faut juste pas qu'il s'enflamme trop, parce que c'est son problème, Bird, c'est qu'il veut vraiment faire le beau jeu. Et derrière, je suis pas certain qu'il puisse dépop tout le monde non plus. Hein. Faut la jouer tranquille. L'avantage du mid, comme je disais, c'est de sélectionner les mecs. Hein. Là, il sélectionne rien du tout. Là, il est en train de vouloir tous les fumer. Et derrière, voilà, il a 300 PV, là, c'est un peu dommage, parce que il est pas mort, mais on prend des risques pour rien. Faut garder le contrôle du mid, frérot. Voilà, là, tu es en train de me fatiguer, là. Voilà, viens, va au mid. On garde la vision, on se fait ça comme ça. Derrière, eux, ils savent plus quoi faire. Ils traversent la map, mais forcément qu'on va les tabasser dans un moment donné, c'est tellement facile. Là, il y a un Carlito à droite, on va laisser tranquille. La zéro caisse, on ne craint pas. Alors, il y a une team qui peut être intéressante, là, à fight. C'est simplement cette team-là. Ok, ça, ça va mourir. Il faut qu'on aille récupérer les caisses. Ok. On a un buzz à gauche. On est ralenti par le squeak. Alors, une petite vision. Est-ce qu'il lui reste une petite vision, frérot, ou pas? Là, ils veulent se tuer entre eux, tout simplement, pour éviter de faire la place du top 3. Hein, si je peux me permettre, la place du couillon, on va dire, pour rester poli. Et puis voilà. Bon, on s'est rattrapé. On a rattrapé la loose juste avant. C'est tellement dommage de l'avoir fait, mais en même temps, vous avez vu que là, avec un contrôle du mid comme ça, c'était une simple formalité, les gars. La game, elle s'est déroulée, mais... On était en promenade de santé. Ah ouais, c'était vraiment une balade. Donc on a 3 games pour l'instant, je sais pas... Putain, le problème de ces vidéos-là, c'est que ça fait 3 games, on est déjà à quasiment 8 minutes de vidéo. Et pour bien faire, il faudrait que je vous balance des demi-heures de rush, là, pour qu'on soit à peu près objectif. Et, mais c'est trop long. C'est ça qui est dommage, en fait, dans ces vidéos rentrantes, c'est des vidéos, faudrait les... Enfin, c'est des vidéos. C'est des thèmes, faudrait les faire qu'en live, pendant 2-3 heures, pour vraiment voir ce que ça donne. Parce qu'en plus, quand vous rushez en duo comme ça, pour ceux qui le font... au bout d'à peu près 1h30 de rush, vous allez commencer à laver le matchmaking, quoi. C'est-à-dire que plus ça va, plus vous allez jouer, plus vous allez tomber sur des gens faibles. Et des fois, quand vous allez faire des sessions, ça se refresh tous les 24 heures ce matchmaking-là. Et des fois, quand vous allez jouer deux, trois fois 1 heure dans la journée, à la fin, je vous assure que les mecs, vous tombez sur des francs, vous tombez sur des compos totalement bizarres, totalement aléatoires. Et c'est vraiment là que vous avez l'avantage. Alors là, le problème, c'est que là, si je commence à me faire push par un coreback, c'est pas ouf. Là, clairement, Bird, il a peu cher. Il a raté le mid en même temps, ça marche pas à tous les coups, sinon ce serait trop facile. Et du coup, la game, elle est beau. Alors, il a fait un kill déjà, c'est déjà pas mal. Il m'a passé à 4 caisses sur le boss. Alors là, j'ai envie d'aller le rejoindre. Je vais tenter, mais c'est piégeux parce que là, du coup. Ok, ça va mourir, on récupère une caisse de plus. Faut vraiment qu'il rejoigne le mid, le frérot. À mon avis, vraiment, le mid, c'est notre... Attends, il n'y a pas des mines qui sont révélées. Ouais, si, je suis pas fou, ok. Faut vraiment se cacher dans le mid, hein. C'est vraiment la strat. Bird, il a tellement envie de charger son ulti qu'il est tout le temps proche des adversaires. Voilà, il y a des mines par là, c'était quasi sûr. À droite, on a vu qu'il y avait des mecs. On va aller les fight. Ok, je les ai vraiment défoncés, là. Je les ai vraiment défoncés, faut qu'on ait récupéré les deux caisses. Qui vont être précieuses, on va passer à 9 caisses, ok. Là, on a le top 1, si on fait pas n'importe quoi, on a le top 1, là. Magnifique l'ulti de mon petit birdie, on est à 11 caisses, les copains, on est vraiment pas mal. Tac, on est vraiment bien, il y a un petit Dynamax sur le haut de la map, on va essayer d'aller la voir, parfait. Alors, je vais regagner le mid, les gars, là, et on va essayer de finir la game de la plus belle des manières. C'est-à-dire que là, c'est quoi? C'est un petit
Un petit M's en bas. Et le beau, le beau, le beau, le beau. Il a mis ses mines par là, mais on va le contourner. Oh, Bird, il a pas le temps. Bird, il a pas le temps. Il joue tout seul. Franchement, la session, elle est vraiment sympa. Ça fait plaisir. Attendez, bougez pas. Je vais refermer la porte qui s'est ouverte. Voilà les gars, les aléas du direct, la porte qui s'ouvre, hein, je suis un maniaque. Je m'enferme dans mon bureau, dans le cocon. En tout cas, on est plutôt pas mal, hein. Si on regarde la session, je vous cache rien, on est plutôt pas mal, on est quand même sur deux top 1 d'affilée, on a malheureusement fait le moins 10, et on a fait, sur les 6 dernières games, on a fait 4 top 1, 1 top 2, et un top je sais pas quoi, et c'est quand même plutôt pas mal, croyez-moi que là on rentre 30. Sincèrement, là, c'est juste une question de patience, je peux vous assurer que là ça rentre 30. Alors, il y aura des loses tous les 4-5 games, 5-6 games, il y aura une petite lose par-ci, par-là, parce que, bah, comme je l'ai dit, le mid, il se réussit pas à chaque fois, sinon ce serait trop facile. Mais les fois où ça va, même où ça va fail, où on va rater le mid, derrière, on peut encore se cacher, on peut encore essayer de viser un top 3, voire top 2. Donc, en vérité, les possibilités de rentrer 30, de monter le brawler 1000 trophées, elles sont quand même assez élevées, donc vraiment n'hésitez pas les gars. Si je peux vous motiver à monter des rangs 30, ça me fait plaisir, la vidéo sera réussie. Allez les gars, 10 sur 10, on a même pas le temps de faire le cut. Je voulais vous faire un petit cut, on a même pas le temps de le placer. Ouais, il y a un dynamite, quoi, c'est pas les meilleurs compos là. J'ai peut-être l'impression qu'on est en train de tabasser le MM là. Et que du coup, ça commence à être plus simple. Et ça régale. Alors j'ai laissé une caisse en bas à droite, hein. Je l'ai vu les gars. C'est juste que je suis allé où il y avait deux caisses. En premier, question de logique. Alors, on va essayer d'attendre mon petit frérot. On n'est pas tellement pressé, là. Moi, je vais camper, là. Ça va pas être une game spectaculaire, celle-là, pardon. Mais j'ai pas tellement le choix. Prendre le mid, ce serait compliqué tant qu'on est 5. Tant qu'on est pas en top 3, je prends pas de risque, parce que sinon, ça va être trop préjudiciable. Ah, les gars, je vais mourir. Non. Ouah, c'est un malade, ce mec. Ce mec est malade. Ce mec est fou furieux. Là, le risque qu'il prend sur la Jackie, c'est à la fois magnifique et à la fois fou, parce que si jamais il perd, enfin, si jamais il meurt, on fait top 4. Et je trouve ça un peu dangereux. Ah, je suis pas sûr qu'il faille fight ces mecs-là. Hein. Je suis pas certain du tout. À mon avis, là, faut jouer... Attends, je vais essayer de me cacher en bas à gauche, et on va essayer de faire un top 2, là. Non, mais viens pas avec moi, putain. En fait, moi, je veux me cacher, voilà. Faut pas qu'il se mette avec moi, comme ça, au moins... Vous avez compris la strat, en gros c'est un cache-cache là. C'est un cache-cache, là clairement on fera pas top 1 sur ce game, c'est quasi sûr. On va essayer de gratter le top 2 en espérant que la team du mid croise la team, bah, l'autre team en fin de compte, et la tue hein, tout simplement. Donc on va croiser les doigts que ça se passe bien, et là moi clairement je suis en cache-cache là. Même Sarbird s'il arrive à retourner la game, c'est le GOAT absolu. Ce qui est pas impossible non plus, hein, mais bon, à mon avis, il a des grandes chances de mourir, voilà, c'était quasi sûr. Et du coup, je pense que, voilà, top 2. Là, on a réussi le pari, les gars, et la team du mid s'est fait fumer. En tout cas, ce qui est cool, c'est que derrière, on va simplement prendre un plus 6, je crois, et ça, c'est cadeau, ça. Sur une game éclatée comme ça, prendre un plus 6, c'est encore mieux que faire top 1. Ah ouais, faire un top 1 quand t'as 15 caisses, c'est logique. Là, gratter un top 2 sur une game claquos comme ça, c'est une victoire, les gars. 915 trophées. J'espère que je vous ai motivé. C'est clairement la meilleure compo sur cette map. Vous faites ce que vous voulez après derrière, mais bon. Voilà, si j'arrive à en motiver certains d'entre vous, c'est l'essentiel. Je vais pas faire la vidéo plus longue, les gars. 13 minutes, ouais, presque bientôt 14 minutes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. La compo, vous l'avez vu, et en plus, regardez-moi ça. Il y a même des mecs qui sont à 1091 trophées qui jouent cette compo, donc c'est vraiment pas des bêtises, les gars. N'hésitez vraiment pas à utiliser. Moi, je vous fais des gros bisous à tous, et il y aura probablement une partie 2 quand on aura rentrant, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Gros bisous à tous, ciao.